the bittersweet symphony that's life, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. Bien, c'est le départ. C'est un cheval qui démarre quand même. Hein, oui, il démarre et tout. Je pensais prendre une bonne place tout de suite. Je suis presque sorti le plus haut, mais les chevaux sont partis très vite à l'extérieur. Ils nous ont coupé un peu. Donc, on prit peut-être une position un peu meilleure. Et moi, je ne voulais pas trop non plus forcer en montant, hein, parce que quand on part au fond là-bas à 2008, on peut leur couper les jambes. Et puis, ben voilà, on se retrouve là, quoi. Et là, tout de suite, là, dans le premier tournant, tu sens que tu ne vas jamais te couper. Ah ben là, je me dis, on est mort. Je vois que ça ne vient pas du tout à 3. Tout le monde est rangé. Là, je suis mort. Alors, j'ai repris. On n'avançait à rien. J'ai repris. Je me suis dit, là... non, j'étais pas tellement satisfait. Je me suis dit, mais quel con d'être là. Donc, voilà. Et là, on va tout doucement à la descente. Je me dis, tiens, il y en a peut-être un qui va péter un câble, qui va venir, mais personne n'était décidé. Donc, voilà, c'est une course de préparation, apparemment, pour tout le monde. À part le cheval qui est en tête, qu'il fallait qu'il gagne, mais bon. Est-ce que l'expression « un grand moment de solitude », ça prend toute sa signification, ouais, ici? Tout à fait. Il n'y a que là, il y a un truc marrant, c'est que Dominique Lecnu a voulu passer en dedans, et puis comme ils n'étaient pas à la corde, j'ai eu presque un dos, toute la descente. Regarde, t'as vu? Ouais. Alors là, je me dis, ah putain, il va être content, il va avoir un mini dos. Et puis bon, après, il a repris, parce qu'il a forcé, je ne sais pas, toi, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Kölnström, c'est quand même pas un âne, il a dit, hey, c'est ma place, elle est là. Donc voilà, et puis voilà. Alors là, c'est une petite brindille, là, comme ils disent. Banderie. Banderie, oui, voilà. Petite banderie. Parce que je me dis, on ne sait jamais. Et puis Julien, bah, forcément, son cheval, il est quand même particulier. Je ne sais pas si c'est trop un cheval à faire des relais et tout ça, comme ça se fait maintenant. Donc. Et là, j'ai repris, je me suis dit, pourquoi pas, voilà. Et puis Dominique, hop, là, tout de suite, là, j'irai une nouvelle fois baiser. Donc voilà. Donc là, j'ai repris à nouveau, on n'avançait toujours pas. On a fait juste 200 mètres, début de plaine. Là, on est à 2 à l'heure. Et puis Julien, il va envoyer gentiment en progression, forcément. Ça avance vraiment pas du tout, là? Ah non, non, ça va commencer, il va, à partir du petit bois, il va commencer à laisser dérouler. Et puis ça attaque pas, parce que moi, le mien, c'est quand même pas n'importe qui non plus. Même en étant dans cette position-là, il va aller un moment, je veux dire, qu'il en est marre dans la ligne droite, d'accord, mais il va pas me lâcher... à l'intersection. Bon, la course, elle n'est pas si mauvaise que ça, en fait. Hein, parce que lui, Enduval, il a la super course. Solvato, la super course, qui a d'être cédé aussi. Voilà. Tous les chevaux qui sont à l'arrivée, ben, ils sont mieux placés que moi, forcément. Donc là, je lui ai débouché les oreilles, je mets les œillères. Ça l'a un petit peu motivé. Il a fait un bon petit bout. Il est venu pas loin, mais je sentais bien que j'avais pas un gaz énorme, quoi. Et tu sens que Texas Charm, au contraire, lui, il est plein gaz? Plein gaz, non, parce qu'il a débouché quand même. Débouché les oreilles. On ne peut pas dire qu'il est plein gaz, mais de temps en temps, il... À la sortie de tournant, il a eu un... Voilà, il a des petits ratés, de temps en temps, voilà. Une Enduval, bah, la course parfaite. Hop, il trace une belle ligne droite, c'est normal. Je pense qu'il fait un bon cheval, il est en forme. Solvato, moi je trouve qu'il est resté un petit peu là, et une bonne course quand même. Il est déféré. Voilà. Viking Duval se termine bien, mais pareil, quatrième rang à la corde, à rien faire. Toujours facile de finir comme ça. Beaucoup plus facile. Tes enseignements là du prix du Bourbonnais? Ben, j'en ai pas tellement, parce que je trouve que même Quick, on n'a rien vu. Ready Cash, on n'a pas trop vu non plus. C'est normal, il fait une bonne course. Je pense pas qu'il pouvait être à 100% aujourd'hui. Panecouille qui rendait 25 mètres. Voilà. Le prix de Bourgogne, 2100 mètres à l'autostart, ça va être une toute autre course. Hein. Voilà, il y a des chevaux qui vont envoyer, comme on dit. C'est la course où on voit le prix de Bourgogne? Oui, parce que c'est un mois du prix d'Amérique. 2100, ça les ouvre bien. Tout le monde à distance égale. Voilà, puis ça peut être un objectif pour certains, parce que c'est une magnifique course. Pierre, une question de Rudy qui nous demande « Que penses-tu vraiment d'un mec d'Héripre et es-tu heureux de te retrouver à son sulky ?» Oui, forcément, c'est toujours intéressant de courir ces courses-là. C'est quand même un excellent cheval qui a réalisé une très belle saison. Est-ce qu'il est mieux l'été? C'est la question qu'on peut un peu se poser. Voilà. Il a fait une très belle saison. Est-ce qu'il va avoir la forme dans laquelle on l'a vu tout au long de l'année? On n'en sait trop rien parce que la course n'est pas très bonne, mais bon, je ne l'ai pas mené au mieux de ses intérêts. Donc, il faut voir la prochaine. Ludovic qui nous demande, comptes-tu relancer ta carrière de driver ou laisser courir? C'est le terme exactement qu'il emploie. Non, mais bon... T'es moins sollicité que par le passé. C'est normal, mais bien sûr, parce que c'est toujours comme ça. C'est les jeunes qui sont prêts à courir, aller partout, qui sont le plus sollicités. C'est un peu normal, ils prennent des risques et tout. Nous, moi, j'ai un entraînement avant tout à faire tourner, et puis mes enfants qui courent maintenant, donc il faut bien que je les fasse courir. Donc, je cours beaucoup moins, qu'on fasse appel à moi de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Paul qui nous demande, qu'as-tu pensé de ton parcours et de ta drive? Le parcours, c'est lui que personne ne veut avoir en fait. À deux, le nez au vent, c'est jamais bon, hein, mais bon. Après un bon départ, voilà, ça s'est trouvé comme ça, une course en train, les places étaient prises tout de suite. Après, ça n'a pas bougé. Non, non, c'est sûr que c'était pas, c'est pas l'idéal, mais bon, c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde dans sa carrière. On a toujours eu un parcours horrible. Anne Maurice, pardon, excuse-moi, qui demande un mec d'Héripré a-t-il pris une course dure et est-il à 100%? Ouais, ça c'est sûr qu'il n'est pas à 100%. Il n'a pas pris une course dure parce que dès que j'ai senti que le cheval réagissait pas trop, je n'ai pas insisté outre mesure parce qu'il n'y avait pas de raison. Voilà, on sait qu'il n'est pas prêt à 100% justement, donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas insister inutilement. Et les chevaux qui ont eu une course plus favorable pour passer leur point de vitesse à la fin, donc voilà. Après, il a fini à sa main, il n'est pas si loin que ça quand on voit la course. Avec un meilleur parcours, il était dans les 5, c'est sûr. On a Guillaume qui nous demande, que penses-tu de la valeur réalisée par Solvato? Normal, parce que lui, il a vraiment la bonne course. Il aurait dû au moins, bon, Texas Charm gagne bien, mais il aurait dû au moins préserver la deuxième place, à mon avis. S'il est si bon que ça, il n'y a pas de raison qu'il soit pas ce bon, parce qu'il a la course en or. Et il nous demande, est-ce que tu crois qu'il peut jouer un premier rôle le dernier dimanche de janvier, ce cheval-là? Non, je pense pas, non. D'accord. Guillaume qui nous demande la participation de Ready Cash au Prix d'Amérique. T'y crois ou pas? Aujourd'hui, on n'a pas vu grand-chose, mais pour le cheval, je veux dire, on ne peut pas lui demander de rendre 25 mètres ou 10 mois d'absence. Il fait une bonne course, il est là tout de suite. Et il finit, ça s'est terminé vite, la course, en fait. Hein. Ça n'a pas été vite au début de parcours, mais les derniers 1000 mètres et les derniers 100 mètres ont été rapides. Donc on ne refait pas tant de terrain que ça. Donc voilà, la course est ni bonne ni mauvaise. Steve qui nous demande, pourquoi as-tu attaqué si tôt Texas Charm? J'ai essayé, pour faire un relais, pour avoir son dos, j'ai essayé... Comme on allait tellement doucement, j'ai fait un petit bout parce que le cheval il force pas en bas de la descente, c'est un endroit un peu coulant, donc je lui ai dit tiens on va faire un petit effort pour essayer de, si jamais on pouvait le passer, puis j'ai bien vu que Julien Dubois était décidé à garder la tête, j'ai pas voulu non plus l'ennuyer parce que je savais que pour lui c'était sa course aujourd'hui, il fallait qu'il prenne les gains, il était décidé à aller devant, mais voilà c'est ça, c'est parti du jeu, on va pas aller contre ses adversaires non plus. Guillaume qui nous demande, as-tu dans tes box un futur gagnant de Prix d'Amérique? Malheureusement non. Ça serait, mais bon, on fait de l'élevage pour ça. Hein. Espérons que dans les années à venir, on retrouve un très bon cheval, pourquoi pas. Chewing-Gum, il a un nom particulier qui nous demande que penses-tu du Enduval aujourd'hui? Bon, bah, il a mon dos, il a la course parfaite, au 2 au carré, comme on dit, là, bon, derrière moi, il n'a rien fait du parcours, il a une bonne pointe pour finir, ce qui est normal. Ben, cette course est bonne. Le cheval est en forme, c'est un cheval qui va figurer, je pense, dans le Prix d'Amérique, il a le droit. Gilles qui nous demande, on fait beaucoup d'éloges sur un mec d'Héripre, mais toi, qu'en penses-tu réellement? Je ne peux pas le juger sur cette course. L'autre jour, c'est trop mauvais pour être vrai, l'autre jour déjà, avec Franck Niva. Là, on a un mauvais parcours. Il ne doit pas être dans sa robe de mariée en ce moment, donc voilà. Il peut être que mieux, donc on va voir. C'est les deux prochaines courses qui vont nous dire si le cheval est revenu à son meilleur niveau. Maxime qui nous demande, est-ce qu'à l'image d'Offshore Dream, tu ne penses pas que le gagnant du vainqueur du Prix d'Amérique se situe chez les 5 ans? Donc les 5 ans, les 4 ans actuels. Donc, bien sûr. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on a vu Hakim Di magnifique dans le Prix de Bretagne, mais bon, on en a fait un gagnant de Prix d'Amérique, je ne sais pas. Alain Adekajel a beaucoup de maniabilité, il réalise une très belle saison. On va aller voir courir demain. Ensuite, le critérium. Pourquoi pas, il est maniable, il est rapide, il a une bonne pointe. Après, Athos des Elfes... Voilà, je pense que c'est les 3 meilleurs actuellement. Clément qui nous demande, est-ce que tu penses pouvoir battre Texas Charm dans le Prix d'Amérique? François. Donc, Texas Charm, c'est a priori partie des meilleures chances, c'est sûr. Dylan qui nous demande ton cheval préféré du moment et votre favori pour le Prix d'Amérique. Alors, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, justement, j'ai du mal à trouver. Open Quick, c'est difficile à dire. Il rentre 25 mètres, il est loin. Il n'a pas fait grand-chose pour finir. Il ne doit pas être assez près. Donc, il peut, un peu dans le cas d'un mec de Répré, il ne peut que progresser, je pense. Texas Charm, bah bon, l'année dernière, il avait déjà gagné. Il était en super forme à cette période de l'année. Après, il n'a pas pu courir. Donc, s'il reste bien, ça sera forcément une première chance. Alors après, bah, pourquoi pas, vous dites, à 4 ans. Alors, dans les 5 ans, qui vont prendre 6 ans, il y a un cheval qui court très bien aujourd'hui, c'est Viking Duval, mais il faudrait qu'il gagne le Prix du Bourbonnais pour pouvoir courir pour l'Amérique. Parce que c'est un vainqueur de Prix, je pense pas non plus. Donc, voilà, après, ça reste une course. Pour l'instant, je n'ai pas un grand favori, en tous les cas. Dernière question, elle est un petit peu vache, mais ça fait partie du jeu. Sébastien qui nous demande, est-ce la drift de Pierre Lévesque, mauvaise, entre parenthèses, ou un mec d'Héripré qui a été défaillant aujourd'hui? Certainement les deux. On ne peut pas dire que la drift a été bonne, ça je reconnais. De toute façon, on s'est fait piéger. Et après quelques mètres de cours, j'ai vu que de toute façon, j'allais rester là. Donc, après, vous y êtes, ça arrive à tout le monde. Et puis le cheval a certainement été mieux kiné, son entraîneur me l'a dit. Voilà. Il aurait préféré qu'on court autrement, bien évidemment, moi aussi. Donc voilà, après, on verra dans le Prix de Bourgogne, il sera sur son parcours. Pierre, merci d'avoir fait le débriefing avec nous, ainsi que les questions des internautes. On a également avec nous Jonathan, qui est un turfiste, qui a également voulu te poser des questions. Jonathan, la parole t'est donnée. Eh ben, merci. Pierre, le meeting a commencé depuis un mois maintenant, environ. Quels sont pour toi les chevaux qui sortent du lot, si bien tes chevaux que tu peux driver ou les chevaux de tes collègues drivers? Alors, qu'est-ce qu'on a vu vraiment moi, chez moi, j'ai des chevaux de série, donc c'est pas très intéressant. Dans les Grands Prix, ben, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Alain Adekajel déjà gagné. Je ne sais même pas s'il a gagné d'ailleurs. Si, il a gagné. On vient de voir Texas Charm qui s'est qualifié assez brillamment. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On voit des chevaux qu'on les renforme, comme Enduval qui finit très bien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a pu voir d'autre? Bold Eagle quand même, c'est les... Ah, Bold Eagle, bien sûr. Non, je pensais que vous pouviez parler pour le Prix d'Amérique, hein, un peu, mais... Ah bah, Bold Eagle, normalement, demain, c'est favori logique du critérium. Un cheval qui t'a impressionné depuis le début du meeting? Lui, me tomber dessus, Bold Eagle, parce que je trouve qu'il gagne vraiment avec la manière la dernière fois. Il a progressé, on a l'impression qu'il progresse sans arrêt, donc il fait partie des très bons chevaux actuellement, quoi. Pierre, demain, c'est le critérium des 3 ans. Brostoubado, tu vas le piloter. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a une chance, malgré un lot très relevé? Ben, disons que c'est un outsider amusant, parce que Brostoubado a quand même terminé 2 fois 2e, une fois de Bocador de Sim qui ne sera pas là, mais qui aurait, je pense, une chance. Et de Bold Eagle, justement, il était 2e, mais bon, il y a de ça quelques mois, c'était au printemps dernier. Mais ça situe quand même un peu sa qualité, c'est un cheval qui a toujours été estimé. Il est sur la montante, l'autre jour il est battu, mais un peu surpris. Le cheval a peut-être besoin de ça, enfin, en tous les cas son entraîneur a dit que le cheval est très bien. Si on prenait une petite place, ça serait marrant. On va parler de la course d'aujourd'hui, avec un mec d'Héripré. Comment tu le situes par rapport à cette course? Est-ce que tu nous vois monter en puissance et enfin voilà, nous on a vu aujourd'hui, enfin je voulais ton point de vue là-dessus. Bah, disons que on a eu vraiment la course qu'on voulait pas avoir, la position la pire, donc 2e EPC en au vent. Voilà, c'était joué dans le premier tournant. Après j'ai essayé en bas de la descente parce que le cheval ne force pas en descendant, de faire un petit bout, pourquoi pas, pour avoir un relais avec Texas Charm. J'ai pas voulu insister non plus parce que j'ai senti que Julien Dubois voulait garder tête et corde. Son cheval est quand même particulier. Ça aurait été dommage, je pense, de lui faire risquer une faute ou je ne sais quoi, parce que c'est un cheval qui manque encore un peu de maniabilité. Il était décidé à rester devant, donc ben voilà, je suis resté là. Les consignes de Fabrice Souloy, c'était ça? C'était un peu de... Ah non, 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 pas du tout, justement. Il voulait voir son cheval plutôt finir, courir plutôt enfermé et faire la ligne droite, donc on a fait tout à l'envers. D'accord. En global, sur les 4B, est-ce que pour toi, enfin c'est vraiment des courses de préparation, ou des fois c'est des courses où tu as un objectif particulier que tu aurais vu avec le propriétaire, l'entraîneur? Disons que Fabrice n'était pas plus chaud que ça, hein. Il dit si on est dans les 5, ça sera bien, son cheval n'était pas spécialement futé, il a eu des petits problèmes de santé, il pense qu'il peut être beaucoup mieux que ça, donc bon, après il faut voir. Moi j'ai pas insisté outre mesure, quand j'ai vu que j'étais battu, j'ai baissé les mains parce que le cheval c'était trop difficile, ce que je lui avais demandé à l'extérieur d'un cheval comme Texas Charm, c'est pas possible, à ce niveau de compétition. Donc voilà, après il ne peut que progresser sur cette course, il sera bien la prochaine fois sur un 2100, d'après ce qu'on en dit, c'est un super cheval de 2100, peut-être est-il meilleur sur cette distance-là, donc voilà, il faut voir la suite des événements. Et dernière question, est-ce que c'est toujours toi qui vas piloter un MEC d'HERIPRE jusqu'au Prix d'Amérique? Bah ça, écoutez, c'est une question piège, hein. Piège, forcément, parce que on a vu Ready Cash faire sa rentrée aujourd'hui. Après Ready Cash, on sait qu'il faut qu'il prenne des gains pour le Prix d'Amérique. Franck Niva a l'habitude de river les deux, donc voilà, après, on est peut-être qu'un remplaçant pour l'instant. Not sure I